arrivé à Lula, elle décoiffe parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'émotions face à un univers qui est vierge, avec des dimensions incroyables, et puis des couleurs, une espèce d'appel à la liberté qui est vraiment exceptionnel. La beauté de ces paysages, elle est frappante, quoi. C'est à mon avis le sentiment de chacun quand on va dans cette région. Quand on sait que le cheval arabe, c'est le père de tous les chevaux du monde, qui a un port de tête particulier, qui a une morphologie singulière, et puis on pense immédiatement à ces chevauchés qu'on a envie de faire. La dimension de ces espaces, elle est telle qu'on a envie de rentrer dans ces canyons à cheval, quoi. Le cheval fait partie de ce décor exceptionnel, quoi. Nous accompagnons la commission royale pour Alula sur ce projet pour un développement effectivement de la présence du cheval à Alula, pour créer une attractivité touristique, mais aussi, et je pense que c'est important, pour une intégration du projet global d'Alula au sein de la population locale. Il y a, je le rappelle, deux sites qui sont prévus à Alula autour du cheval. Le site de Mouattadil, qui est un site dédié, une plateforme dédiée à la compétition, l'endurance, qui est la discipline reine de la région, le polo, sport de roi, et puis les disciplines olympiques, et notamment le saut d'obstacle. Donc Mouattadil va être consacré vraiment au sport. Et il y a le site d'Alatib, autour du musée, du fameux musée qui est à l'origine du projet, avec une école d'équitation ouverte aux touristes, ouverte à la population locale, mais aussi centre de formation, former des animateurs, former des managers de centres équestres, mais aussi former des grooms, des lads, des palefreniers, former des maréchaux ferrants. La France est le premier organisateur mondial de compétitions équestres, donc on a une vraie légitimité à être les vrais grands partenaires de l'Arabie Saoudite sur ce sujet. Avec la Commission royale, nous travaillons vraiment en parfaite coordination et en parfait partenariat. Et nous avons la chance de travailler également avec la Fédération équestre saoudienne, qui est extrêmement impliquée. Et l'idée, c'est quelque part de faire d'Alula un laboratoire. Un laboratoire qui va servir d'appui à cette Fédération équestre saoudienne. Donc on part d'un musée, maintenant on en est au sport. Bientôt ce sera des événements, enfin bref, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que le champ est extrêmement large.